All right, I see some people connecting. Je vois des gens qui se connectent. Bonjour Alvaro, je reconnais même des visages, ça fait plaisir. Bien. Bienvenue à tous. On va attendre un petit moment histoire que tout le monde puisse bien se connecter et on va lancer ce Venture Briefing Geneva. J'espère que vous êtes tous bien installés, vous avez un petit café à côté de vous. On a une heure devant nous pour discuter entrepreneuriat. Je vais attendre encore un petit instant pour être sûr que tout le monde a bien le bon lien. Voilà, je vois des gens qui se connectent. Bonjour à tous. Voilà, on va se lancer. Alors, bonjour à tous. Julia Bory ici, Programme Manager à Venture Lab. Je vous souhaite la bienvenue au Venture Briefing Geneva, qu'on organise une fois par année en collaboration avec Pulse, la Fongit. Et grâce au soutien de la Fondation Geber Truff, qui soutient l'innovation en Suisse à travers plusieurs programmes. On va vous en dire un peu plus dans un instant. Avec moi aujourd'hui pour présenter Caroline Widmer, directrice de l'incubateur Pulse HES, et Emmanuel De Watteville, Head of Financing Program pour la Fongit. Je vais vous dire peut-être à vous deux de dire un petit bonjour, comme ça les gens ils savent qui vous êtes et où est-ce que vous êtes. Bonjour Emmanuel. Bonjour, Julia. Super. Bonjour Emmanuel, bonjour Caroline. Voilà. Et nous avons deux speakers avec nous, Christina Valgrin, fondatrice de Therapette, et Luca Fazzone, fondateur de UpGreen Recycling. Merci à vous deux d'être là. Peut-être Christina, si tu veux dire un petit bonjour. Bonjour. Parfait. Et Luca, bienvenue. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà le programme que nous allons faire aujourd'hui. On a une petite heure ensemble. On va commencer par quelques mots de bienvenue et vous parler des programmes de soutien parce que les personnes dans cette salle aujourd'hui ont pour la plupart une envie de lancer une start-up ou sont intéressées à, disons, à un moment donné, obtenir du soutien pour créer un projet entrepreneurial. Ensuite, nous donnerons la parole à Christina Valgrin qui présentera Therapette, donc un très beau success story et alumni du CERN. Elle nous racontera comment elle a obtenu le soutien de VentureKick et d'autres programmes récemment. Ensuite, on en prendra le temps pour un petit Q&A. Donc, s'il y a des questions, si vous pensez à des questions entre-temps, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Puis nous donnons la parole à Luca Fazzone, le fondateur de UpGreen Recycling. Il racontera aussi son histoire. On prendra des questions et on terminera l'événement. Le but de cet événement, qui est soutenu par la Fondation Geber Truff, c'est que vous sachiez les types de programmes qui sont à votre disposition en Suisse, que vous soyez inspiré. C'est toujours agréable d'entendre qu'il y a des personnes qui se sont lancées et qui ont réussi à obtenir des fonds, à lancer un projet, à engager du monde. Et l'idée, c'est que vous receviez aussi des conseils sur comment réaliser ça, vous aussi. Pour commencer, je vais vous expliquer les quelques programmes de la Fondation Geber Truff qui pourraient vous intéresser. Mais avant de me lancer là-dedans, on va faire un petit sondage pour vous demander. Les personnes ici, je ne sais pas si vous voyez maintenant, si vous avez déjà une idée de start-up. Donc, est-ce que vous avez une idée de start-up, vous êtes en train de travailler sur celle-ci? Est-ce que vous avez une idée, mais vous n'avez pas encore commencé? Est-ce que vous n'avez pas d'idée, mais vous aimeriez bien en trouver une? Ou bien le dernier, ben, vous n'avez pas d'idée, mais vous n'avez pas envie de devenir entrepreneur, mais vous êtes là parce que vous êtes curieux. Et c'est aussi tout à fait respectable. D'accord, on sait qu'on voit qu'il y a quand même une bonne partie des personnes là qui ont une idée, vous êtes en train de travailler dessus pour certains, donc c'est déjà pas mal, on cherche maintenant des idées pour concrétiser ça, je vois ça. Super, je vais encore demander s'il y a 2-3 personnes qui n'ont pas voté, de voter. Voilà, comme ça, je peux vous montrer les résultats. Donc on a pour l'instant une majorité de personnes qui ont une idée, mais qui n'ont pas encore commencé à travailler dessus. Alors, maintenant, je vais vous partager ce qui sera peut-être même très intéressant pour les personnes qui ont une idée, qui n'ont peut-être pas encore forcément commencé à travailler dessus, mais pour ceux aussi qui ont commencé à travailler dessus, c'est le programme VentureKick. Le programme VentureKick, c'est 150 000 francs si on obtient l'intégralité du programme, un accès à plus de 150 business angels et de l'aide dans l'exécution de votre startup.
Il fonctionne en trois stades, donc vous ne pouvez pas forcément partir avec 150 000, mais si vous passez la première étape, qui est un pitch devant un jury d'environ 20 investisseurs, vous recevez 10 000 francs comme en tant que bourse, donc sans equity, comme on dit, en échange. Si vous passez le deuxième stade, vous avez 40 000 en convertible loan, donc on appelle ça un emprunt qui se transforme en part lorsque vous aurez un financement supérieur par la suite. Donc, si vous voulez des détails par rapport à ça, n'hésitez pas, on peut vous expliquer un peu plus longuement. Donc, ça sera 40 000 francs avec ce format de convertible loan. Puis, si vous passez la dernière étape, 100 000 francs. Ce programme se déroule sur 9 mois et est un accélérateur. Va vous aider à mettre en place certaines choses qui sont clés afin que vous puissiez, à la fin, pitcher devant les investisseurs et être convaincant. À cela s'ajoute, depuis peu, un programme qui s'appelle InnoBooster. À partir du moment où vous passez la première étape de financement, le Stage 1, vous avez accès potentiellement à 150 000 francs en plus, aussi sous la forme de prêts convertibles. Entre chacun de ces stades, vous avez l'opportunité de faire une journée complète d'entraînement avec le fondateur de VentureLab. Ensuite, vous voyez ici, c'est le programme First Ventures, le deuxième programme financé par la Fondation Gabor Truff. Cette opportunité est principalement pour les étudiants de HES. Je pense que les personnes ici, une grande partie, sont des étudiants HES. Vous avez l'occasion donc de lever jusqu'à 150 000 francs. Souvent, les personnes reçoivent les 150 000 francs entiers, mais ça arrive parfois que ce soit 120 000, 130 000 francs selon les besoins de la start-up. Il y a une opportunité tout bientôt pour obtenir ce financement. La prochaine inscription se fait avant le 31 mai. Vous avez l'occasion d'avoir d'abord un premier feedback. Vous donnez votre idée, vous aurez un premier feedback, on vous dira si ça correspond ou pas. Puis si ça correspond, vous êtes invité à répondre à plus de questions, à une application plus en profondeur, disons. Et finalement, vous serez invité à pitcher devant un groupe d'experts pour savoir si vous obtenez le financement ou non. Ça, c'était les trois programmes de venture qui sont soutenus par la Fondation Gabor Truff, donc le Venture Kick, InnoBooster et First Ventures. J'espère qu'il y en a qui vous inspirent, qui pourront être utiles et qui vous permettront d'obtenir vous aussi le soutien nécessaire pour lancer une startup. Au-delà de ces programmes-là, nous avons des partenaires aussi qui sont présents dans cet événement et que je suis ravie d'inviter maintenant sur scène Caroline Winmer, représentante de Pulse Incubateur HES. Merci de présenter ce qui est possible de faire en fait à Genève sur place dans ce nouvel incubateur. Alors Caroline. Voilà. Le same problème après une année de Zoom intensif. Bonjour Julia, merci de nous avoir conviés en fait pour partager quelques informations au sujet de Pulse Incubateur HES. Donc c'est aussi un lieu qui est destiné essentiellement à la communauté de la HES. On est un incubateur interdisciplinaire qui a été créé donc, il y a bientôt 2 ans, en septembre 2019, donc encore tout jeune, mais déjà bien implanté dans l'écosystème, pour accompagner les projets innovants et qu'on a identifiés comme à fort potentiel issus des 6 hautes écoles de la HESSO Genève. Donc, juste pour les citer rapidement, on a la haute école de musique, de santé, de social, la haute école de gestion, la haute école de paysagisme, d'architecture, donc l'EPIA, et la HED. Je crois que je n'en ai oublié aucune. Lucas, tu me diras si j'en ai oublié une. Et le programme de Pulse se déroule sur une période de 18 mois. Donc, c'est ouvert aux étudiants, aux alumni, au corps professoral, au personnel administratif, aussi aux assistants, toute la communauté en fait, HESSO Genève. Aujourd'hui, on accueille à peu près une trentaine de projets qui sont tous très, très variés. Donc, ça va de la mode durable à la sécurité informatique, au recyclage des déchets organiques, comme vous le verrez après avec UpGreen, la blockchain ou encore l'inclusion dans le monde de la musique.
Et donc, c'est vraiment très complémentaire et très intéressant de voir toutes les synergies qui s'opèrent entre tous ces projets. Donc, c'est autant de projets qui sont prêts à relever les défis de notre société et je dirais encore plus dans cette période de crise sanitaire. Alors, on espère la crise bientôt, le post-Covid. Et c'est vrai que ça donne aussi plein d'idées à de jeunes entrepreneurs pour développer des projets de start-up. Mais qu'est-ce qu'on propose concrètement? Donc, en temps normal, quand on peut se réunir tous dans les locaux, on a un espace de 700 mètres carrés juste à côté de la gare de Cornavin, dans des super locaux avec des coworking, des espaces privatifs. Et c'est vraiment très agréable. Vous êtes aussi accompagné tout au long de votre parcours par des coachs professionnels de Genilem, de la Fongie, d'InnoSuisse et des experts qui vous permettent de tester vos idées, de structurer votre projet et aussi de réduire, et avant tout surtout, de réduire les risques avant de vous lancer sur le marché. Donc cet incubateur, ça vous donne également la possibilité d'accéder à des prix. Donc récemment, on a créé le tout nouveau prix Coup de Pulse qui est doté de 1 000 francs. Il est ouvert aux projets qui entrent dans cette phase d'impulsion sur les 6 premiers mois et qui vient récompenser un projet qui se démarque en termes d'impact social, d'innovation, de créativité, d'implication dans le programme. Ensuite, on a le prix Genilem HES, que certains d'entre vous connaissent déjà, qui est quant à lui dédié aux projets les plus avancés de Pulse. Et après 18 mois chez Pulse Incubateur HES, vous êtes prêts à vous lancer, mais avant toute chose, il faut postuler. Et donc, tout comme les programmes évoqués par Julia tout à l'heure, les inscriptions à Pulse sont ouvertes jusqu'au 31 mai. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet de Pulse, sur pulse-hese.ch/postuler. Et il y a plein d'informations aussi sur le site qui sont sympas à découvrir. Et donc, on est aussi à votre disposition. N'hésitez pas à nous envoyer un mail sur info@pulse-hese.ch. On est vraiment disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci Julia, je laisse la parole. Merci à toi Caroline. Je laisse encore cette dernière slide que je trouve superbe pour rappeler à tout le monde que c'est le 31 mai, donc ça vaut la peine de s'inscrire et de venir. C'est un endroit très chouette, j'ai beaucoup aimé les rares fois où j'étais au Pulse. Je pense que c'est une occasion de s'entourer, de bien s'entourer, je pense. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Emmanuel de Vatville qui va nous présenter la Fongite. En quelques mots, voilà. Emmanuel ? Oui, merci Julia, bonjour à tous. Donc la Fongite, ça veut dire Fondation Genevoise pour l'innovation technologique. Comme son nom l'indique, on est soutenu par le canton de Genève. Et donc nous sommes un incubateur, c'est un programme qui dure environ 3 ans. Et nous soutenons actuellement une centaine de sociétés dans tous les domaines du high-tech, de l'IT, en passant par le medtech, les biotechnologies et les sciences de l'ingénieur. Comment est-ce qu'on les soutient? On les soutient à travers trois ressources. Premièrement, la Fongite, c'est un ou plusieurs lieux physiques dans lesquels vous pouvez trouver des bureaux complètement équipés, soit à Plan-les-Ouates, dans le bâtiment Stellar, qui est tout nouveau, ou alors au niveau du campus biotech au sein de Généus. Également, nous soutenons les entrepreneurs avec de la prestation de services, donc c'est du coaching, c'est de la comptabilité, c'est du conseil au niveau juridique, création de société, au niveau des brevets également. Et la troisième chose que nous apportons aux entrepreneurs, c'est du financement. Le financement soit en direct à travers la Fongite, et à ce moment-là, c'est un financement, on va dire, relativement modeste. Pour vous donner un ordre d'idée, on parle de quelques dizaines de milliers de francs suisses, en général lors de la création de la société. Ou alors, c'est du financement à travers un nouveau fonds d'investissement que nous venons de lancer en collaboration avec l'État de Genève. Il s'appelle le FIF, ça veut dire Fonds d'innovation Fongite. C'est un nom qui est assez difficile à prononcer sans postillonner sur son écran. Et le FIF accorde soit des bourses jusqu'à 50 000 francs pour des entrepreneurs qui viennent d'un institut de recherche Genevois, soit des prêts convertibles
des prêts seed, comme on appelle, de jusqu'à 100 000 francs pour les startups de nouveau domiciliés dans le canton de Genève et qui ont moins de 3 ans, ou alors des prêts de croissance qui peuvent aller jusqu'à 400 000 francs, toujours pour les sociétés domiciliées dans le canton. Vous pouvez trouver plus d'informations sur tous ces programmes et ces modes de financement sur notre site internet www.fongit.ch. Voilà, Julia, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est génial. D'ailleurs, je vois qu'il y a un nouveau design. Bravo à la Fongit. C'est très classe, ce bleu. Nouveau logo. Exact. Il faut dire que Nouveau Fongit, fonds d'investissement, donc c'est magnifique. Félicitations, félicitations pour ça. La Fongit, c'est un incubateur qui a été créé en 1991. Hein, donc on fête nos 30 ans cette année. C'est magnifique. Merci encore à vous de vous être joints à nous aujourd'hui. Et à vous aussi, Caroline. Je vais maintenant donner la parole à nos speakers. Donc nous avons avec nous une créatrice d'entreprise sortant du CERN. Donc, je me rappelle d'accueillir Christina Valgrin. I'm going to say that in English now, of course. Christina, thanks for being with us. You joined some of our training at InnoSuisse a few years back. And since then, I think you've been growing Therapet beautifully. And it's a pleasure to have you here to share some of your advice you would give to anyone launching a company, coming from the tech side maybe, or coming also from any side of the spectrum. I think I look forward to hearing about your advice. Thank you, I will do my best. I'm sure. I will unshare my screen so you can share yours. Yeah, thank you. Let me see. You do see my screen, right? Yes, it's perfect. You can go ahead. Good. Okay. Hi everyone. As Julia has already mentioned before, so my name is Christina. I'm the CEO and co-founder of Therapet. So Therapet is a Geneva-based medtech startup, and we are developing a novel medical device that will act as the eyes for the doctors during the proton therapy for cancer treatment. So our device will provide cancer patients a safer, more precise, and time-saving proton therapy. So before introducing myself, I would like to thank Venture Lab, Julia, Fongit, and the Pods for this invitation and the opportunity to share my experience as an entrepreneur. So this talk will not be so much about our company, but we start with introducing myself as person. So I have a Swedish father and a Chinese mother. So I come from a very business oriented family, and most of the family members and the friends are doing business. So I'm the only one that are not doing business. I'm a physicist. So I have a long time been inspired by the people around me. So I was born in China, grew up in Sweden, and have been spending the last one third of my life in Switzerland. So before coming to CERN, I studied nuclear physics at Chalmers University of Technology in Sweden. So first time I came to CERN as a summer student for 3 months in 2007. So I was fascinated by this great place and decided I would love to do more physics if it would be any possibilities. So right after my degree in nuclear physics, so my master thesis at the Westinghouse, I was hired for a permanent position in their international trainee program. So Westinghouse is a company building a nuclear power plant in the world. So their international trainee program is a special program to train young future leaders for the company. So the selection process was very tough, and I was lucky to be one of the 5 people that had been selected for that year. So however, at the same time, I also got an offer from CERN to obtain a PhD. So I decided to quit my job and moved to Switzerland in 2008 to obtain my PhD in applied physics. So since then, I have been spending the last 12 years at CERN. So as I mentioned before, I was a summer student in 2007. So I did my PhD between 2008 and 2011. Then right after that, I was hired as a senior research fellow for 3 years. After being fellow, so I was hired as a staff physicist for 5 years. So all in the same group. So my career has been rather smooth.
So before founding TerraPet, I was the main responsible for the LHC being vacuum operation, and I have been supervisor for 5 master students and 2 fellows. So from time to time, I have also been active scientific journal referees for the IEEE transactions on nuclear science. So however, besides my usual work, since I'm always very interested in business, so I studied the MBA and also the project management course in parallel with my duty at work. So in 2019, I co-founded the TerraPet, as I said, Geneva-based medtech company, together with one of my colleagues and also my soulmate, Marcus, so a former sun physicist and Professor Raymond Mirabel. So Raymond is a former head of radio oncology department at the Geneva University Hospitals, and currently he's the medical director at the first proton therapy facility in Spain. So the idea of the project was born already in 2018. So when Marcus, our CTO, and also a sun physicist, who has been working on the design of the completely proton therapy facility in Austria. And when we were discussing about different possibilities of improving proton therapy and whether we could benefit from any of the technology development that has been taking place at CERN. So shortly after being incubated at the Genus in the beginning of 2019, so Professor Raymond Mirabel joined us. So the company was officially founded in Canton du Vaud in July 2019, but already in December 2019, we successfully closed a pre-seed round and transferred the company from SAL to SA and joined the FondJIT in Geneva. So less than 6 months after our creation of the company, so we successfully closed the seed round of about 1 million to support the development of our full-scale prototype to be installed for clinical validation. So just shortly after closing of the seed round, so our company has been awarded with another 1.5 million non-dilutive funds from Eurostars and InnoSuite. So just in summary, within less than 1 year since the incorporation of the company, we already raised 3 million Swiss francs. And we are collaborating with the world-class research institute like CERN, Karolinska Institute, and the Scandion Clinic in Sweden. So our project has been ranked as number 2 out of over 500 applications by the European Commission experts in the entire Europe. So we are currently preparing for the Series A run, and we are looking forward to bringing the company to the next level. So at the moment, as Julia said, we are growing fast. So this year we will be about 8 FTE working on site to bring the full-scale prototype to the clinical, finish with the clinical validation. So just to show you some pictures, because Julia asked me to prepare some advice that I could share with the other young entrepreneurs. As you know, I haven't been entrepreneurs myself that long. So the advice that I summarize here is only from our own experience. So every company is unique. So as the ones who have founded the company. So I made a short list. So just to give some personal advice from our experience. The first one is network is the key. So as you know, Switzerland has one of the strongest startup ecosystems, if it's not the strongest in the world. So there are many supporting organizations like FondJIT, Swiss Innovation Park, POST, and they offer young entrepreneurs with not only advices, but also initial fundings to help you to take your business off the ground. So my advice would be that seek your help to these organizations, benefit from them as much as you can. We remember that our first home is Genius. So the first time we arrived to Genius, we were still physicists with very limited business skills. And Ingeborg and James from Genius gave us the invaluable help and helped us to turn our idea into a real business. So there are also many network events that are organized by those organizations. So it's very good to attend.
if you meet the right persons in the right place, and it will change everything, especially when they want to be a part of your ventures. So my second advice is, actually, competition is a very good way for you to validate your ideas. So for us, the competitions are not only about the winning money, so we benefit actually a lot from those competitions. So it's a good way to validate your idea, and you will get great feedback to improve your business case and even get new ideas. So the competitions like Venture Kick, Mass Challenge, Switch Innovation Challenge, and the some big competitions are this, who's not only about money, it's also the visibility, credibility, and the network those competitions will provide to young startups like us. So from these competitions, we have learned a lot, build our network with the Swiss startup ecosystem. We benefit from the feedback that are given in these competitions, and we could constantly improve our business case. My personal experience is we have been to Mass Challenge, although we didn't win the final, but in the Mass Challenge where we found our first angel investor and also current board member. Then the third advice is don't give up too easily, because doing business is not a walk in the park. So there are a lot of failures that are waiting for you. So if you have to be constantly prepared for that. So just give you an example from the experience that we had from VentureKick. I think Julia already know it. So in fact, what happened to us is in February 2019, me and my co-founder Marcus, we were actually standing in the VentureKick stage one pitch sessions in Lausanne with the exact the same business idea. And we actually failed. So we didn't manage to go to VentureKick stage two. But the feedback that we got from the jury members proven to be extremely useful. We did believe in our potential of the business. So instead of giving up, we put a lot of efforts into developing our business case and making the company investable, thanks to all the feedback and the comments from the VentureKick jury members. So what do people say? If you fail, so fail early, fail fast, and fail forward. So the failures was really a good lesson. Then number four, so always listen to advice, because it's very important you learn from the people who have been there before, benefit from the feedback and even the criticism, because you can learn from that and improve your business case. Of course, on the course of your venture, you will meet a lot of different people. They will give you many different feedback. Some of them may be even contradictory to each other. So make your own judgment and trust your gut feeling. So it's you who are doing the business and you have to decide for that. Then, let me see. Yeah, then I arrive to my last slide. So the venture is not only my own venture, it's a group of people behind that. So I would like to, on behalf of our complete multidisciplinary therapy team, I would like to thank you for your attention and any questions. Thank you. Thank you very much, Christina, for this presentation. It's, as I remembered, quite an impressive story. And I do remember that you missed the first Venture Kick, but you did apply again. Yeah, we come back. We came back. We took all the advices, then we improved our business. Because I think that's interesting for everyone here to so this is not that we say no to great projects like Therapets. This was, I think, maybe quite early first time you applied. And then when you came back, you were more ready to convince the jury members. But maybe for everybody, it would be interesting. What was the big difference, you think, between the second time you pitched to VentureKick and the first time? So why do you think the second time they said yes? I think the pitch style is very important. I mean, we are used to present scientifically, but I think if you want to convince the investors, I mean, it doesn't really matter how great your technology is.
So you have to convince them in the way that this technology can really make money. So I think that's the main difference, because the first time we spend a lot of time trying to convince people, look, this is a great technology, breakthrough technology and the best in the world, but actually they didn't buy it. So we failed. And also one of the advice that we got is very important is the team is extremely important. The team to build your venture, people. The team, that's a really good point. Exactly. So because one of the advices we got is they said, you are building a medtech company and there's no doctors on board. So it's impossible to build a medtech company because you don't have the credibility to convince the people, look, this technology can be used in the medtech field. Then we used our existing network, then we come back with three best professors in oncologists in the world to be a part of our venture. So this is a very good, you know, selling point. You see that you have built a strong team and then it's more convincing. Fantastic. Thank you. Thank you, Christina. I'm opening the floor for questions. Anyone here wondering how Christina did something? Et bien sûr, vous pouvez poser vos questions en français. Je crois que le français de Christina est plutôt bon, mais si besoin, je traduirai. Martin, oui? Oui, bonjour. Et merci, Christina, pour cette présentation. Moi aussi, je suis suédois, en Suisse depuis très longtemps. Et ma question, c'est que vous nous avez dit que la relation avec Karolinska à Stockholm était importante. Alors, comment réagit une université à l'étranger ou un hôpital à l'étranger vis-à-vis d'une société en Suisse funded comme vous le faites? Yeah, but I just want to say Karolinska is not only a university, no? It's a hospital as well, hospital, right? Yes. Yeah, exactly. So, and the exact question, maybe. Yeah. So how is it to collaborate with the university abroad when you're creating a company in Switzerland? So what was your relationship with them? How, because there are, of course, some questions of IP, and maybe that's the underlying questions that Martin is asking. So you must have been extremely close to them in Sweden, but also to the CERN here in Switzerland. Maybe you can say a few words about your relationship to them. Because the collaboration was actually funded through a special program. It's called Eurostars. So Eurostars is a funding program supported by European Commission. So it's very similar to the H2020. So you get funds directly from EU Commission. So that's what we did. So together with the Karolinska and the Scandion Clinic, so we made an application. When we made the application, I mean, we had the great ideas and we wanted to seek for the international financial support, non-dilutive funds. So that's what we did. But then luckily we also won the money. So together we got 700,000 euros together for the next coming three years to develop our project together. That's fantastic. Thank you very much. Thank you, Christina. I see a question from Adrian. Adrian, do you want to unmute and ask your question? Ou en français? Comme vous voulez. Yes, thank you. Well, I can also ask a question in English. Yes, hi, Christina. I would like to know if you contacted Knowledge Transfer at CERN and if you've had help from them to develop your business. For developing the business, we didn't. The support was not the same as from Fongit and from Genius. So some helped us a lot with building the collaboration together. So as you know, so the research collaboration together with CERN is funded by InnoSwiss. So together we did a very good funding applications. So that was a lot of help from the CERN KT, who helped us to prepare the applications as well as all the all the collaboration agreement. So this is this type of help that we got from CERN KT. But of course, first you have to come with a convincing idea and also a strong technology, right? Mm-hmm. All right. Yeah. Thank you. Mm-hmm.
Thank you very much, Christina. If there are some further questions for Christina, but we will take them later. First, we're going to move to our next entrepreneur, Lucas. On va parler d'ailleurs en français, on rechange de langue. Lucas, merci d'être parmi nous. C'est un plaisir de t'accueillir, cofondateur de Up Green Recycling. J'ai ma poubelle Mint chez moi, donc je suis une grande fan. Et c'est un plaisir d'entendre comment vous avez créé ça. Et je me réjouis de voir ça. Si tu peux partager tes slides, ça sera fantastique. Alors, merci beaucoup. C'est difficile de passer après Christina qui a fait déjà une très, très belle présentation. Déjà, pour commencer, avant de parler de Green, comme quoi, les signes sont là. On a Christina et Adriane qui viennent du CERN. Moi, j'ai aussi commencé ma carrière au CERN, seulement que j'avais 15 ans et j'ai fait mon apprentissage là-bas en électronique. Donc, j'ai un parcours assez technique. Donc, j'ai fait un apprentissage technicien en électronique, une école d'ingénieurs qui m'a permis en fait de développer de bons skills techniques. Et ensuite, on a créé une junior entreprise qui nous a donné aussi envie de développer ce côté entrepreneurial, de créer des projets qui font sens. Et tout a vraiment commencé du coup avec cette junior entreprise en 2015. Et mon premier cours à l'époque, c'était un cours CTI, Business Concept. Donc, ça fait un petit moment que je traîne un petit peu dans ce domaine de l'innovation suisse, qui, comme ça a été dit précédemment, est assez riche, surtout quand on parle de technologie. Après l'école d'ingénieur, j'ai décidé de faire un master InnoKick, donc c'est un master en innovation. Plus précisément, c'est en développement de produits et services innovants, un master pluridisciplinaire avec des économistes, des designers et des ingénieurs, parce que pour faire une innovation, il faut qu'elle ait un marché, mais il faut aussi qu'elle soit viable et désirable. Je pense que je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Je suis aussi avec un peu de deux casquettes, donc il y a ma casquette Up Green Recycling, je suis le cofondateur et je suis en charge de tout ce qui est opérationnel chez Up Green Recycling, que j'ai cofondé avec Tim et autres qui sont aussi issus du Master InnoKick. Et à côté, j'ai une autre casquette très technique, je suis CTO pour une société qui est dans le domaine de la purification d'eau, en fait du dessalement d'eau de mer, donc on est aussi basé à Genève, donc là on est vraiment sur la société technologique. Avec levée de fonds. Et donc j'ai un peu d'un côté cette série A et cette casquette technique, et de l'autre côté, cette casquette 100% axée B2B, B2C avec UpGreen, dont je vais parler un peu plus maintenant. Donc concrètement, UpGreen, en fait, c'est né initialement d'un projet de master, un projet de master InnoKick. Et en fait, c'était une approche relativement assez académique au sens qu'InnoKick le voit. Donc, on avait une problématique initiale qui était comment améliorer le tri des déchets organiques. Pas des déchets organiques, des déchets de manière générale. En fait, on a juste posé un contexte et on a un peu analysé un petit peu le marché. Qu'est-ce que c'était que ce marché du tri des déchets? Quelle était la situation en Suisse et à l'étranger? Puis, on s'est vite rendu compte que les Suisses étaient des très bons élèves en matière de tri des déchets domestiques, sauf en déchets organiques où on a près de 80 à 90% de nos déchets domestiques qui sont correctement triés. Et les 45% de déchets organiques qui sont triés, et c'est là qu'on a identifié déjà qu'il y aurait quelque chose à faire dans le sens où améliorer le tri du PET pour passer de 83 à 84% impact relativement faible, alors que si on arrivait tout à coup à trouver des solutions pour les déchets organiques qui sont les seuls déchets qui ne sont pas encore assez recyclés, là on pourrait vraiment avoir un impact. Surtout que, chose assez méconnue, les déchets organiques qui sont composés de 90% d'eau vont en incinération. Donc concrètement, on brûle de l'eau et sont responsables de près de 40% des émissions de CO2 en incinérateur. Brûler un petit bout de carton a un moins gros impact que de brûler un déchet organique concrètement. Donc on s'est vraiment dit, mais comment ça se fait que ces déchets ne sont pas plus triés que ça? Et puis là, c'était l'analyse de marché. Donc c'est là où c'est important de vraiment miser sur le marché, de se concentrer et puis de savoir pourquoi les gens ne triaient pas. Déjà, pourquoi nous, on ne triait pas? Dans notre cas, c'est assez facile parce que développer une solution qui convenait pour nous et pour nos clients, peut-être que dans certains cas, c'est un petit peu plus difficile de se poser les questions à soi-même, mais du coup, d'identifier le marché, de se rendre compte pourquoi ces gens ne trient pas. Et puis, en fait, il y avait deux grandes problématiques sur les déchets organiques. C'est un, le manque d'infrastructures. Et deux, la nuisance du tri de ces déchets avec les odeurs, les moucherons, le jus qui commence à créer. Donc, ça devient vite assez dégueulasse pour le dire.
Et donc, on savait qu'on n'allait pas forcément pouvoir gérer quelque chose au niveau de la logistique, beaucoup de parties prenantes, voilà, une notion de politique qui n'est pas forcément idéale quand on veut créer un produit innovant. Et donc, on s'est concentré sur la notion de dégoût et puis on a cherché un peu comment pouvoir faire une poubelle qui soit un peu moins dégoûtante et un peu plus utile pour les gens. Donc ça, c'était vraiment la première phase, les réflexions qu'il y a eu initialement. Puis après, bah, du coup, en 2018, après le Master InnoClick, on a décidé de continuer à travailler sur ce projet-là, à y croire à fond, parce qu'on avait des technologies existantes. Hein. Dans notre cas, par exemple, c'est de la mise sous vide. Et donc voilà, on a commencé tranquillement à construire le produit. Le test de Master a été un gros dégrossissage. Et après, on a tout repris à zéro, une nouvelle page blanche qui nous a abonné jusqu'au prix Gélinilam HESSO. En fait, qui a été un petit peu le vrai, vrai début du projet, ce qui nous a aussi permis d'avoir un peu le coaching et le soutien de Gélinilam et de dire, OK, le projet semble intéressant. Tellement, le fait d'avoir ce prix-là, ça a permis d'avoir nos premiers articles et du coup, de montrer toute la notoriété qu'il y avait autour, de commencer à créer cette notoriété et de montrer un peu l'engouement qu'il y avait autour de cette problématique des déchets organiques qui n'est pas forcément très ragoûtante au premier abord. Donc après, on a continué à développer, à faire quelques concours comme First Venture, on a été finaliste, Mass Challenge en 2009, Venture Kick, donc on a passé que le premier stage. Pour le deuxième, on comprend que son fonctionnement n'était pas forcément dans ce que recherchait le côté technologique. Notre objectif pour nous, c'est d'être low-tech, moins de technologie possible. Et donc voilà, donc on est sur des choses qui sont assez technologiques. On sait que on va pas forcément aller aussi loin, mais pour nous, ça nous permet aussi de valider nos idées, de créer de la notoriété, puis un peu d'avoir une sorte de validation de nos pairs. Donc, dans notre cas, les concours ont surtout été pour créer de la notoriété plus que du financement, avec notre dernier concours, qui était le concours IDEA, qu'on était en deuxième place en 2010. Enfin, c'était ça. aujourd'hui, on est accompagné donc par Gélinilam et puis par Pulse Incubateur. En fin d'accompagnement, on vient de se faire expulser, mais c'était une année et demie incroyable à Pulse qu'on a passé ici. Incroyable pour nous, je ne sais pas pour les pulser, mais à voir. En termes de financement, en termes de financement, donc concrètement, les cours, tout le monde pense au concours et au prize money qu'on a à la fin. Dans notre cas, les concours, c'était 10% du financement initial. Donc, à savoir que certes, on n'aura pas les mêmes besoins de financement qu'une entreprise technologique, qu'une entreprise médicale qui va devoir passer des certifications et un certain nombre d'étapes de développement. Dans notre cas, relativement simple, hein, on parle d'une petite poubelle. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je n'ai pas encore vraiment parlé de Mint. Donc, Mint, là, c'est la poubelle que vous voyez en fond d'écran qui est donc notre premier produit. Il y en a deux qui devraient bientôt arriver d'ailleurs, de nouveau. Donc, Mint, c'est une poubelle à déchets organiques qui doit répondre aux problématiques de nos clients, les odeurs et les moucherons liés aux déchets organiques. Donc, on a fait cette petite poubelle qui crée un vide partiel dans la poubelle. C'est 100% mécanique, pas d'électricité. On veut bien brancher notre machine Nespresso dans notre cuisine, mais une poubelle, on n'est pas forcément prêt à ça. Donc, voilà. Donc, pour financer cette petite poubelle, bon, on a eu besoin aussi de certains fonds. L'industrialisation coûte cher, l'outillage de production coûte cher. Et dans nos financements, on a eu 10% de concours environ. Tout le reste, après, c'est nous, des fonds propres de notre entourage et des fondateurs qu'on a injectés dans la société. Et surtout, chose importante pour nous, le crowdfunding et les préventes qui nous ont vraiment permis déjà de valider complètement le marché et de commencer à vendre avant même l'industrialisation et donc en fait de limiter les risques de notre côté. Alors, si ça veut bien changer de slide, voilà. On m'a demandé de donner quelques conseils pour tous ces concours. Ce n'est pas évident parce qu'on ne fait pas partie des startups qui ont gagné beaucoup plus de concours qu'on nous, donc je ne suis pas forcément le bon conseil et les conseils, il y en a dans tous les sens. Par contre, je pense que ce qui est important, déjà, c'est de ne pas essayer de gagner des concours, mais c'est essayer de créer des sociétés. Si vous faites une société qui est vraiment bien basée sur un marché, sur un besoin, qui répond à des questions et qui a un business plan qui tient la route, le concours, ça suivra tout seul. Le concours est là pour valider, pour vous donner, peut-être vous positionner par rapport à d'autres personnes.
Mais il ne faut pas forcément le voir principalement pour le financement, sachant que ça peut donner des sacrés coups de pouce. Hein. 100 000 francs, c'est toujours assez intéressant. Hein. Mais il faut vraiment le voir comme une validation. Vous allez dans le bon sens et non pas comme quelque chose juste pour gagner de l'argent. Parce que ça vous permet aussi d'avoir des retours, Christina l'a bien dit avant, hein, les retours des jurys permettent d'avoir des idées, d'être entouré, de voir un petit peu les points de vue des gens. Donc, pour moi, ce qui est vraiment, vraiment important, et ce qui a aussi été dit précédemment, tout ce qui est lié à l'équipe et au réseau est primordial. Tout seul, c'est difficile. Trois ingénieurs ensemble, difficile. Il faut vraiment essayer d'avoir une équipe pluridisciplinaire parce que c'est difficile de demander quelqu'un de spécialiste en marketing de développer un produit. C'est aussi difficile de demander à un ingénieur d'être expert en marketing. Donc, il faut vraiment réussir à s'entourer des personnes qui vont pouvoir en fait vous apporter des skills complètement à l'opposé de ce que vous, en tant que fondateur, peut créer. Nous, dans notre cas, avec UpGrid, on a du marketing, on a du design et on a de l'engineering, ce qui nous permet aussi de vraiment en fait, ratisser large et d'avoir vraiment un cœur efficace qui nous permet de comprendre tous les aspects qui sont liés à la création d'une solution, d'une société, d'un service et tout ça. Être bien entouré avec le réseau, il faut beaucoup parler avec beaucoup de monde, mais pour faire écouter aussi surtout les bonnes personnes. Parce que chaque personne, sur chaque question, aura un avis bien tranché. Deux experts sur une question, on aura des avis bien tranchés. On le voit bien avec le Covid ces derniers jours. Ces derniers jours, c'est un peu plus que ces derniers jours d'ailleurs. Concrètement, si on écoute tout le monde et qu'on essaye d'appliquer ce que tout le monde nous dit, on tourne en rond. Donc, c'est important d'écouter les gens. C'est pourtant important de voir ce qu'ils en pensent. Mais il ne faut pas toujours appliquer tout ce qu'ils pensent. Parce que sinon, on tourne en rond, puis on n'avance pas. Et puis, l'objectif principal, c'est vraiment de mettre quelque chose sur le marché et puis de générer des revenus. Voilà, il faut vraiment écouter les gens, mais pas trop. Mais il faut trier un petit peu. L'autre aspect, c'est ce que tout le monde dira, mais en fait, c'est tellement important que je suis obligé de leur dire, en fait, d'être 100% focus sur le marché. On ne peut pas créer un besoin. Apple n'a pas créé un besoin quand ils ont créé l'iPhone. Ils se sont rendus compte que les gens avaient envie d'écouter de la musique, qu'ils étaient de plus en plus mobiles et ils ont proposé une solution disruptive pour répondre à ce besoin-là. Donc, si on n'est pas 100% focus sur le marché, concrètement, on n'est pas prêt de vendre parce que c'est ça qui va faire vivre la société et c'est ça qu'il faut avoir dans un premier temps. Qu'on parle d'une solution très technique ou qu'on parle d'une solution pas du tout technique pour au final comme une poubelle, c'est le marché en fait qui doit vraiment être le moteur de toutes les réflexions depuis le départ, du départ jusqu'à la fin. Donc comme je dis au tout début, nous on a essayé de comprendre un peu les parties prenantes, hein, de savoir que si tout à coup on veut faire une logistique de traitement des déchets organiques, de comprendre que dans certains cantons, c'est une charge qui est donnée au canton ou aux communes et qu'on n'a pas forcément le droit de créer des services privés où c'est assez compliqué. Donc, il faut comprendre vraiment tout l'ensemble des parties prenantes, les acheteurs et les utilisateurs, sachant que dans certains cas, les acheteurs ne sont pas les utilisateurs finaux. Nous, dans notre cas, avec Green, notre poubelle, à ce niveau-là, c'était relativement simple parce que nos acheteurs et nos utilisateurs sont les mêmes personnes, donc ça simplifie grandement nos études de marché. Sauf dans le cas où tout à coup on va discuter avec des communes où là la commune achète pour ses administrés, donc là c'est un peu différent, mais il faut vraiment comprendre ça et du coup ça c'est une étude de marché, et l'étude de marché c'est pas forcément des questionnaires interminables de 20 minutes en ligne. Déjà il faut commencer par aller rencontrer les gens parce que si on essaye de faire l'étude de marché en imaginant ce que les gens pensent, je pense que dès le départ c'est déjà foutu, pour le dire clairement. Il faut vraiment réussir à aller écouter les gens et ne pas proposer sa solution et puis comprendre quels sont leurs vrais problèmes, qu'est-ce qui les préoccupe, qu'est-ce qui leur fait perdre de l'argent et à partir de là, commencer tranquillement à construire. Et ensuite, sur cette étude de marché, si on part sur des questionnaires dans le cas où c'est nécessaire, ça doit juste faire de la validation des hypothèses que vous avez eues de par vos discussions avec votre utilisateur, avec vos parties prenantes. C'est vraiment aussi important de parler de proposition de valeur. Et la proposition de valeur, elle n'est pas forcément liée à la technologie, elle n'est pas forcément liée au coût de production, elle n'est pas forcément liée
au prix de vente du produit, elle est vraiment liée à ce que votre produit ou service va transmettre, va transparaître. Il y a une sorte de pyramide de Maslow qui applique un petit peu les valeurs, qui permettent de dégrossir un peu les valeurs et puis l'importance des valeurs perçues de votre produit ou service. Et c'est vraiment ça qui est important de travailler et de communiquer sur ces valeurs et pas sur le prix et ce genre de choses qui sont au final plus ou moins secondaires. En trois, les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais je vais parler des ressources. La ressource pour moi la plus importante, c'est déjà le temps. C'est incroyable. Et puis moi, quand je dis que je suis mal chaussé parce que je travaille dans deux startups, le temps est super important pour pouvoir faire avancer les choses. En deuxième, bien sûr, de bien s'entourer et de trouver des fonds pour pouvoir développer ses idées. Je parle, moi, pas d'investisseurs, parce que pour moi, en fait, les investisseurs viennent tout à la fin. Si on n'arrive pas à lever entre 20 000 et 100 000 francs, et je reste super large, auprès de nos proches, comment on pourrait convaincre un investisseur, premièrement? Et deuxièmement, si on n'arrive pas à lever un peu de fonds propres, toujours auprès de nos proches, comment l'investisseur va le voir? Est-ce que vraiment la personne est motivée? Est-ce qu'il est prêt à prendre le risque? Donc, est-ce que vraiment c'est un entrepreneur? Ou est-ce qu'on va juste se dire, ah bon, on trouve des investisseurs, comme ça, le risque, ce n'est pas moi qui le prends. Donc ça, pour moi, c'est pour ça que le FFF est plus important et que les investisseurs arrivent tout à la fin. Je ne les ai même pas mis là parce que 4 points, c'est déjà assez. Deuxièmement, les clients. Ben là, les clients, ça va aussi un peu dépendre. C'est sûr que si on développe une machine de radiographie, ce n'est pas forcément évident de pré-vendre des systèmes. Mais il peut y avoir des accompagnements via des parties prenantes comme des sociétés, comme des universités qui aident à financer et qui sont des potentiels clients. Et donc voilà, pour moi, c'est les trois ressources les plus importantes. Pour finir ensuite sur les concours qui sont essentiels pour la notoriété, surtout dans le domaine technique, mais vraiment pour la notoriété, le petit goodies, c'est le prize money qu'il y a à la fin. Ça permet de discuter, de voir aussi un petit peu de ce que font les autres startups. Donc, c'est vraiment important. Mais il ne faut pas le voir comme étant une ressource, mais plutôt comme un soutien et puis un accompagnement. Et pour moi, le plus grand important, c'est… je viens de le dire. c'est pas de chercher à gagner des concours, mais c'est de chercher à créer une société, des produits ou des services qui ont de la valeur et qui répondent à un réel besoin sur le marché. Et ça, c'est vraiment le truc important. Donc, ça implique qu'ils doivent être désirables parce que les gens veulent l'acheter ou parce qu'ils ont un réel besoin, que ce soit faisable, parce que c'est sympa la téléportation, tout le monde la veut, mais ce n'est pas pour demain, et que au final, ce soit viable parce que l'objectif, c'est de faire une société qui vend des produits et puis qui arrive à s'autofinancer. Donc voilà un peu dans les grandes lignes. J'espère que je n'ai pas fait un peu trop long parce que je peux vite devenir un moulin à parole. C'était parfait, Lika. Merci beaucoup. C'est vraiment une très chouette histoire et c'est un bel exemple, comme tu dis, d'un produit qui a été créé suite à la réalisation qu'il y a un problème. Et je trouve que c'est assez rare. On voit souvent dans l'autre sens. Et d'ailleurs, c'est très différent du projet de Christina où il y a plutôt eu, je pense, une technologie très, très puissante à la base. Et ils ont réalisé qu'il y avait un marché. Et donc, ça, c'est vrai que c'est aussi, des fois, c'est presque un peu un coup de chance, parce que clairement c'est beaucoup plus facile. Dans notre cas, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a identifié un marché la solution se trouvait accessible technologiquement parlant. En parlant de téléportation, on peut avoir l'idée de le faire. S'il n'y a pas déjà les bases techniques à la base qui permettent, surtout quand on parle de technologie, de produits industriels et qui nécessitent des gros investissements, il faut de toute façon avoir quand même une base technologique. Mais du coup, au plus tôt possible, on arrive à le lier au marché, à ne pas être amoureux de sa technologie et à écouter ses clients. Au plus tôt, on ira dans la bonne direction parce que c'est les clients qui donnent la direction et puis ce n'est pas la technologie. C'est très, très juste. Je voulais ajouter comme témoignage d'avoir vu Aude, Lucas et Tim à l'œuvre. Tu as mentionné dans les ressources les clients. Je pense que ce qu'ils ont de très fort, c'est le rapport qu'ils ont avec leurs clients. Quand il y a eu le premier batch des poubelles mines qui sont arrivées, forcément, c'est l'industrialisation, il y a des défauts techniques. Jamais, ils ont laissé un client avec une poubelle défectueuse. Ils ont récupéré toutes les poubelles qui pouvaient poser un problème, où il y avait un léger doute, etc. Ça a été un boulot monstrueux.
Mais il y avait vraiment cette relation client qu'ils ont réussi à créer du premier crowdfunding jusqu'à la livraison finale de la poubelle. Et je trouve que c'est hyper, hyper puissant, en fait, dans une équipe comme ça, de mettre vraiment le client au centre du design jusqu'au service après-vente, en fait. Oui. Et merci, ça me fait toujours chaud au cœur d'entendre des mots comme ça. C'est vrai que vu de l'extérieur, nous, on a vraiment la tête dans le guidon. C'est vrai que là, nos 3000 premières poubelles qui sont arrivées, elles n'étaient forcément pas parfaites, mais il y a un moment, il faut lancer un produit pas parfait parce que sinon, on ne sort jamais de produit, on a besoin de plus en plus de fonds extérieurs et puis ça ne fonctionne pas. Donc là, on arrive tranquillement à atteindre des rentabilités qui commencent tranquillement, la viabilité qui commence à être tranquillement intéressante. Mais le plus important aussi, c'est votre image, l'image de marque, l'image de l'équipe, l'image de la société. Et on n'aurait jamais, si on n'avait pas une bonne relation client au début avec nos 3000 premiers clients, comment pourrait-on avoir des clients qui seraient des ambassadeurs? Comment pourrait-on marquer les esprits? Et c'est vraiment essentiel de marquer les esprits et donc d'avoir, surtout au début, idéalement tout le temps, hein, un service client irréprochable. S'il faut qu'on change un client 3 fois ou 8 fois sa poubelle, on changera sa poubelle 3 fois ou 8 fois tant qu'elle ne sera pas au top. Et ça prendra peut-être 1 année, 2 années, 3 années pour que le produit soit au top. Si on se rappelle du premier iPhone, il n'était pas vraiment au top. Mais ça arrivera. Et puis après, donc voilà, il faut vraiment optimiser tout ça, quoi. Je vais juste demander à tout le monde de réfléchir peut-être à des questions que vous auriez pour Lucas. En attendant, j'ai un petit sondage parce que j'ai besoin d'avoir les feedbacks des personnes ici sur si vous êtes étudiant à l'université, si vous êtes un étudiant plutôt HES, si vous pouvez participer déjà à Pulse ou à d'autres programmes, et vous demander si vous êtes intéressé à certains des programmes dont on a parlé en début d'événements. Donc il y avait le programme Venture Kick qui vous proposait jusqu'à 150 000 pour tout ce qui est tous les étudiants, que ce soit université, HES, recherche, et le programme First Ventures ce coup-ci juste pour les personnes en HES. C'est important pour nous juste de savoir un peu si ça peut vous aider au moment où vous en êtes dans votre parcours. Comme ça, on s'assure que vous avez l'opportunité de nous envoyer une postulation le moment où il faut en donner une. Je vais laisser ça un peu de côté. Remercie tout le monde de prendre une petite seconde pour nous donner leur avis. Et je vais garder maintenant en accord quelques minutes pour des questions. Est-ce que je regarde un petit coup dans le chat? Est-ce que quelqu'un aurait une question pour Lucas? Parce que alors moi j'en aurais. Alors, c'est soit que j'étais trop précis, soit que j'étais incompréhensible. Moi je pense que tu as été très précis et c'est assez rare à part ça, je pense, des profils comme le tien où on sent une forte compréhension de l'entrepreneuriat et du besoin d'être proche du marché et une compréhension technique. J'écoutais ta présentation en me disant que tu n'auras pas trop de soucis d'emploi dans ton existence. Je pense que tu fais partie des rares personnes très utiles dans des startups. Je vais surtout essayer de les créer plutôt que de devoir être embauché. Je sens ça aussi très clairement. Alvaro, je te vois. Moi, j'en aurais une peut-être. Oui, dis-moi. Parce que c'est marrant, j'ai essayé de faire un peu un projet similaire une fois avec un ami, enfin pas du tout la poubelle, mais plus de faire un objet en plastique et tout ça. Et je me demandais comment vous aviez sélectionné parmi tous les producteurs qu'on peut trouver en Europe, en Chine, etc. Comment est-ce que vous avez abordé le problème, disons? Alors, on a abordé le problème, on a trouvé les personnes qui nous ont aidé à aborder le problème, et là, c'est tout le sens de l'équipe et du réseau, c'est super important. On a une société qui est basée à Estavayer-le-Lac, qui est VF Ingénierie, qui sont en fait notre partenaire providentiel, on va le dire, avec une expérience en industrialisation. Ils nous ont accompagnés sur l'industrialisation du moment où on a fait lancer notre campagne de financement participatif jusqu'à maintenant. Ils nous accompagnent au quotidien et sur le développement de nos futurs produits. Donc, ils sont experts en industrialisation. Ils sont, sont parfaits pour travailler avec des startups, pour créer des produits, parce que c'est aussi une équipe qui est jeune, mais expérimentée. Donc, en fait, eux, ils ont énormément de contacts tant en Chine qu'en Europe. Ils avaient surtout à l'époque en Chine, mais pour nous, on a imposé en fait de faire des recherches de partenaires en Europe. Donc, c'est eux qui ont fait toutes ces recherches, qui nous ont trouvé une entreprise
incroyable en Europe, qui est ni trop petite ni trop grande, ce qui va nous permettre de grandir, mais qui, voilà, avec des bonnes conditions, qui est à moins de 2 heures d'avion d'ici, même 1h30, je ne me rappelle plus la dernière fois où j'ai été. On aurait bien voulu le faire en Suisse, mais à un moment, il y a la réalité des coûts de lancement. Hein, quand on n'a pas 10 millions là-bas derrière, c'est difficile de lancer. J'exagère un peu, mais de lancer des fois des choses en Suisse, même si notre objectif futur sera de faire revenir la production. Mais là, nous, c'est vraiment VF Ingénierie qui nous ont incroyablement accompagnés et qui nous accompagnent au quotidien, surtout sur les problématiques d'injection plastique qui sont très compliquées. Et des entreprises, il y en a à foison dans tous les pays. Et donc là, il faut vraiment s'entourer d'experts si on n'a pas d'expérience en injection plastique. Merci beaucoup, Lucas. Et merci, Alvaro, pour ta question. Est-ce qu'on a encore une dernière petite question? Sinon, on va gentiment clore cet événement. On arrive à 12h30. Donc, je suis sûre qu'on est d'accord de prendre quelques minutes de plus s'il y a une question à répondre. Je regarde encore un coup dans le chat. Non, d'accord. Bon, alors je crois qu'on est pas mal au clair. Je te remercie infiniment, Lucas, pour ta présentation. Plaisir. Christina, you too. Thanks again for taking the time and sharing your experience. Merci beaucoup à Emmanuel d'être venu, ainsi qu'à Caroline, à la Fongite, donc et au Pulse, à l'incubateur Pulse HES, d'avoir rejoint cet événement à cette petite heure sur midi. J'espère qu'on se revoit bientôt pour une autre séance du même type. Un grand merci aussi à la Fondation Gabor Truff qui soutient cette série d'événements dans toutes les universités en Suisse. Donc, ça nous permet de rencontrer plein de gens et de leur faire connaître un peu les options de programmes à disposition. Donc, merci à eux. Et je vous souhaite à tous un bon appétit, un bon après-midi et à tout bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Au revoir. Salut.